Tu es sur les réseaux, tu es une femme, je ne sais pas, il y a une communauté de plus de 1 million de personnes, si je cumule un peu tous les réseaux à peu près, voilà. Comment ça se passe avec les hommes? La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles-de-Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la 3e édition du Week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Des gros dragueurs. Des gros dragueurs. Et comment tu gères ça? Non, pas tous, pas tous. Oh, surtout bien qu'ils ne sont pas tous de dragueurs. Non, pas tous. En fait, ce qui, il faut reconnaître que j'ai dû travailler également sur moi. De nature, je ne sais pas si c'est vrai, après tu me diras. Ouais. De nature, j'ai l'apparence d'une personne très séduisante. C'est-à-dire pas séduisante, mais séductrice, disons. Et parfois, je ne sais pas si ça vient du fait que j'ai été mannequin, ça vient de ce background où on est appelé à la féminité très souvent, même la façon de parler. J'ai toujours été comme ça. Et j'ai toujours été très expressive, même du visage, j'ai été comme ça. Et quand on est ce genre de femme, ça sert et parfois ça dessert. Parce qu'on n'a pas toujours envie ou besoin d'avoir un dragueur, ça saoule. Il y a des moments où ça saoule, il faut se dire la vérité. Mais la chance que j'ai, c'est de me connaître, premièrement, de connaître mes limites, d'apprendre. L'apprentissage, pour moi, me sauve tous les jours. Parfois, si je ne me laisse pas entraîner dans certaines choses, c'est dû au fait que j'apprends tous les jours sur des choses. Je ne sais pas si je peux rentrer en détail, mais par exemple, si je ne fais pas le choix d'accepter tout homme qui me drague, c'est parce que j'ai des raisons derrière. Déjà pour une question de valeur, de principe, mais mis à part ça, je connais quelques dégâts de certaines choses. Je connais les dégâts de se laisser aller dans l'indiscipline, par exemple, je suis très direct. On n'a pas peur des mots. Exactement. Je suis pas un docteur. Dans le fait d'être frivole, par exemple. Ouais. Dans le fait de ne pas discipliner sa sexualité. Je connais les dégâts, les conséquences, par exemple. Ouais. Donc, l'apprentissage va toujours vous aider. Donc, si vous voulez parfois vous protéger de certaines choses, il faut apprendre déjà à vous éduquer, à comprendre. Et c'est toujours mieux aussi de garder une certaine forme de distance. Je dis toujours aux gens, quand vous faites un métier public, ne regardez pas demain. Aujourd'hui, regardez demain ce qui pourrait arriver. Tout ce qui peut vous rattraper, tout ce pourquoi vous ne pouvez pas être fier dans la lumière, ne le faites pas dans l'obscurité. Ça, c'est beau, ça. Je ne suis pas en train de donner des leçons de vie, mais plutôt des mises en garde. Il y a des gens qui ont eu à commettre des erreurs. Pour ne pas que certaines personnes tombent dans les mêmes pièges, il faut, comme ce que j'aime bien appeler, souvent, il faut être dur de caractère. Il faut être dur avec soi, mais surtout, il faut mettre des limites avec les gens. D'accord. Ok. Moi, j'aimerais bien. Moi, il y a des choses que moi, j'aime bien. Je pense que les gens qui suivront aimeront aussi. De tes multiples dragueurs que tu as sur les réseaux, est-ce qu'il n'y a pas une anecdote un peu croustillante comme ça que tu pourrais nous raconter? Oui. Quelqu'un est venu récemment avec un projet. Ouais. La personne me dit, Fanta, j'ai un projet. Machin. Et puis, faites attention, surtout quand vous êtes des femmes ou des hommes. Vous avez tout le temps des porteurs de projets. Oui, forcément. Ou des investisseurs, des pseudo-investisseurs. Mais il faut avoir la tête sur les épaules. Il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas tout prendre non plus. L'une des choses qui brise facilement la destinée d'une personne, c'est une personne qui manque de décision. Une personne qui je ne sais pas comment l'appeler. La cupidité, c'est ça, hein? L'amour de l'argent. Exactement, ou l'amour de l'argent, ou l'amour... Il faut faire très attention avec ces choses-là. Il faut savoir se détacher émotionnellement des choses matérielles. Je n'ai pas dit que ce n'était pas important. Moi, les gens ont l'impression que je suis un peu dans le matériel, alors qu'au fond, je ne suis pas... J'aime le matériel, mais je ne suis pas très attaché. Matérialiste. Je ne suis pas attaché, au matériel. C'est-à-dire que je peux vivre aujourd'hui quand même dans une maison de rien du tout. Demain, je peux vivre aussi dans un royaume, quoi. C'est tout moi, je m'adapte à tout. Et cette personne arrive naturellement, dit Fanta, j'ai un projet. D'ailleurs, il a fait d'abord des semaines en train d'envoyer des messages. Il y a parfois mon assistante qui répond, mais Fanta dit qu'elle est machin, c'est envoyer un message. Elle ne répond jamais. Exactement. Je dis, non, franchement, là, c'est important. C'est un projet de fou. Il ne faut pas qu'elle rate ça. C'est machin, pour ne pas donner plus d'explications. Bref, je dis, OK, je vais rencontrer ce monsieur, je parle. On parle. J'ai appris une chose d'un de mes mentors. Si tu veux reconnaître une personne qui n'est pas sérieuse, un menteur, une personne qui va te doubler, la meilleure solution à ça, c'est le temps.
Il faut toujours accorder au temps. Le temps découvre le menteur, le temps découvre également le baratineur, le temps découvre tout type de personne, la bonne ou la mauvaise personne. J'ai joué là-dessus, naturellement. Dit Fanta, tu te laisses pas aller, tu m'as l'air dur comme femme, machin. Non, mais on est là pour parler de projet. Tu n'es pas là pour. Je suis pas là pour te montrer ma douceur. Tu n'es pas mon mari. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et finalement, on parle. Je vois que ces projets, ça a pas de. Il a bien planifié, je vous assure. Le projet était tellement bien fait que tu. J'étais à deux doigts de tomber là-dedans. Mais la seule chose qui m'a sauvée, c'est premièrement le temps. Et deuxièmement, je suis une personne parfois hésitante. Et quand je suis hésitante, c'est que ce n'est pas bon. Oui, ça, j'ai appris, c'est important de se connaître. J'ai appris à me connaître. Quand je suis très hésitante face à une situation ou quelque chose, c'est que ce n'est pas très bon au fond. Ça s'est toujours avéré comme ça. Finalement, j'étais hésitante. Ils m'envoient des documents. Tout était bien planifié avec des organisations. Franchement, tout était fait. Et un jour, il me dit, je dis, mais on a fait 2 semaines, 3 semaines, des mois maintenant. Je dis, mais ton projet, t'en es où? Oui, machin, tous les jours, il me donne des excuses. Et finalement, je dis, mon cher, dis-moi la vérité, pourquoi tu es là? Et là, il me dit, Fanta, pour être honnête, de jour en jour, je suis venue pour ce projet. Mais tous les jours, je suis amoureuse de toi. Enfin, je suis amoureux de toi tous les jours. Je me rends compte que je suis amoureux de toi. Je dis, mon cher, pas avec moi. Je dis, je t'apprécie, j'ai énormément de respect pour toi. Il a brisé une étape, c'est quoi? C'est le fait de mentir déjà. Oui, ça, je ne peux pas. C'est-à-dire que si tu viens vers moi pour ça, sois honnête, droit dans tes bottes comme un homme. Dis-moi, c'est pour ça. Elle vous donne les secrets. Hein. Non, mais autant être vrai, c'est vrai. Autant être vrai. Et il m'a menti, finalement, je me suis dit, ça n'en vaut pas la peine. D'accord. Quoi, la prochaine fois, ça sera quoi? Ok, donc c'est à ce niveau-là qu'il a grillé ses cartes. Ouais. Dans les gars, s'il n'y en a pas mis, vous qui veulent tenter leur chance. Non, mais même s'il n'avait pas vraiment grillé ses cartes, pour moi, c'est. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour chercher des gars. Fin... Oui, mais on dit que mon beau-père a pour habitude de dire que l'occasion fait le larron, quoi. On ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau, disait. Mais oui. OK. Il y a un dicton qui dit la place de la femme dans la cuisine. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que la femme doit rester la femme et l'homme doit rester l'homme. Je sais que beaucoup de féministes ne seront pas d'accord avec moi, mais l'homme ne sera jamais la femme et la femme ne sera jamais l'homme. D'accord. Donc, tu vois déjà où je veux venir. L'histoire du 50-50, pour moi, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Je vais beau être la femme la plus riche du monde. J'ai toujours dit, même si je suis demain la femme la plus puissante et riche du monde, mon mari paiera toujours l'addition. Il prendra ses responsabilités d'homme. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas contribuer. Ça veut simplement dire qu'il va assumer sa place d'homme. Sa place d'homme. Parce que pour qu'on le respecte, il va falloir qu'il a cette carrure d'homme respectable. Et ça vient déjà de là. D'accord, ok. C'est ce que j'ai vu mon père faire, donc je suis désolée. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de la soumission lorsqu'on est une femme? La femme doit être soumise à un homme. Pas un garçon, un homme. Ok. C'est quoi un homme pour toi? Un homme, c'est avant tout la responsabilité. D'accord. Un homme, c'est avant tout la responsabilité, la protection. C'est aussi la sagesse. Quelqu'un qui arrive à trouver la justesse. Et quelqu'un qui a le grand cœur. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui arrive à voir parfois les parts d'ombre de l'autre et de se dire, c'est pas parfait, mais je vais essayer de l'accepter ou de l'améliorer. Mais un leader, c'est quelqu'un parfois qui se dissocie de ses émotions. Et de nos jours, je remarque, je constate qu'il y a de moins en moins de bons leaders en thème de mari. Moi, pour moi, c'est un leader, un homme, un bon père de famille, c'est avant tout un très bon leader. Et c'est quoi pour toi, s'il fallait donner une caractéristique à un leader, ça serait laquelle? Le courage. Le courage. C'est sûr qu'on dit le courage du leader donne de l'espoir à ses suiveurs, entre guillemets. Ok, et je t'ai entendu dire dans une vidéo une fois. Non, peut-être pas toi, mais je sais que tu avais abordé le sujet. C'était, en général, les hommes ont peur des femmes ambitieuses. Je ne sais pas, tu ne l'avais pas dit. J'ai jamais dit. Mais, non, tu ne l'as jamais dit. Mais il y avait une question qui tournait autour de ça. Absolument. Voilà. Et donc, est-ce que tu penses vraiment que les hommes ont peur des femmes ambitieuses? Les garçons, oui, mais les hommes, non. D'accord. Les hommes font leurs femmes. J'ai eu la grâce de rencontrer sur mon chemin que des personnes qui visent déjà beaucoup plus loin que moi, qui m'ont aidé également, qui m'ont impacté finalement à devenir cette personne qui vise également grand. C'est très important le choix de son entourage en termes d'amitié, en termes de relations, tout ça. Et ces personnes également, ce sont tous des personnes, que ce soit en termes d'amitié ou même relations, c'est des personnes qui ont toujours voulu que je sois beaucoup plus meilleure et beaucoup plus loin que ce que je suis là. C'est-à-dire que ça, c'est des hommes.
C'est des hommes qui sont prêts à me faire, comme moi je suis prête à investir en eux, en croire en eux, et de telle sorte à ce qu'ils atteignent leurs objectifs et rêves. Est-ce que ça très beau. Donc pour toi, imaginons quelqu'un qui s'en sort très bien dans le milieu, je veux dire, entrepreneurial, professionnel. Mm-hmm. Est-ce que c'est suffisant pour faire de lui un homme? Je dis souvent qu'il n'en faut pas juste de l'argent pour faire de toi un homme. Mm-hmm. Un homme, quand je dis, je parle de leader en tant que père de famille, oui. Ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Mm-hmm. Parce que des crétins qui sont riches, il y en a beaucoup. Mm-hmm. Mm-hmm. Des irresponsables et riches, il y en a énormément aussi. Attention. L'argent, ce n'est pas ça qui fait un homme, d'accord? Même si c'est vrai que le côté aussi vision, cet homme qui porte beaucoup de gens sur son chemin, mmh. je trouve ça aussi très bien. Mais je pense que c'est au-delà de l'argent. C'est au-delà de l'argent. Mmh. C'est okay. Dans le caractère, c'est dans la façon d'être, c'est dans le courage, c'est dans l'élégance de l'esprit que cette personne dégage. D'accord, l'élégance de l'esprit. Ouais. Et tu, c'est parce que tu vois un peu la figure de style, tu vois. L'élégance de l'esprit. L'esprit est habillé d'une... Bref. Ok, d'accord. Et toi, aujourd'hui, en tant que femme, tu t'es lancée en entrepreneuriat. Et aujourd'hui, est-ce que tu continues ton business de vente d'aliments? Absolument, mm-hmm. Mais ce n'est plus moi qui fais des livraisons. D'accord. Donc, j'ai pris business à bébé a grandi. Quoi. Ah, super, super. Et toi, en tant que femme, est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a une différence entre la femme entrepreneur et l'homme entrepreneur? Est-ce que tu perçois une différence? Tant dans la manière que tu es perçue, mm-hmm. que dans la manière de gérer le business. Je pense que le côté gestion, nous, les femmes, nous sommes meilleures quand même. Vas-y, je t'écoute. Dans la gestion surtout de relations humaines. Ah non, moi je suis pas d'accord. Je te laisse. C'est vrai que la femme est extrêmement émotive. Oh, ça. Enfin, à la sortie. La femme est extrêmement émotive, mm-hmm. mais elle est aussi très flexible en termes de relations humaines. Mm-hmm. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la femme, c'est celle qui va comprendre l'intuition de son collaborateur. Quand je dis l'intuition, elle va repérer facilement si cette personne a un problème. En tout cas, pas toutes les femmes, bien évidemment, parce qu'il faut, il y a le côté aspect maturité qu'il faut développer, tout ça. Mm-hmm. Mais quand la femme est bien ancrée dans ses bottes, elle est ancrée sur terre, c'est-à-dire qu'elle a cette intelligence émotionnelle, elle a cette maturité émotionnelle également, elle a toutes ces choses, elle peut être extrêmement mieux qu'un homme parfois. Oui, bien sûr, je te rejoins tout à fait. Et donc, n'oublie pas le côté maternel. Hein. Oui, c'est sûr le côté maternel, mais des fois ça fait un peu trop. Mais bon, là n'est pas le sujet. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est moi qui pose la question. On va pas débattre. C'est moi qui pose la question. Et donc, et toi aujourd'hui, tu t'es lancé. Est-ce que je vois beaucoup de femmes qui veulent, mais elles ont peur. Toi, du coup, comment tu deals avec la peur? Comment tu gères ça? C'est pas que j'ai pas peur. C'est que mon envie de me dépasser, mon envie d'impacter est beaucoup plus forte que la peur. Mm. La peur est bien, est nécessaire parfois parce que ça nous éloigne du danger et tout ce qui va avec. Oui. Mais la peur peut devenir très paralysatrice par moment. Ah. Donc, il faut faire extrêmement attention. Moi, je pense que je suis du signe, j'ai pas donné, mais je suis de ceux qui n'ont pas peur de prendre des risques. Je prends des risques fous parfois. Je suis ce genre de personne. C'est-à-dire que j'ose tellement le risque que parfois, les gens me disent « Mais comment tu as fait ça ?» Et moi, c'est ça. Soit ça rate, soit ça passe. Mmh. Mais j'y vais quand même. Et c'est quoi le plus gros risque que tu as pris jusqu'à présent? Le fait de quitter mon patron. Ah, quitter ton patron. Ah. Bah, raconte, comment ça se passe, ça? Parce que beaucoup d'entre nous, boss, ils ont un boss. En fait, pas par respect, parce que j'ai perdu en fait ce respect. Pour être honnête, je suis une personne parfois très directe. C'est pour ça que je n'aime pas parler parfois de certains aspects de ma vie par peur de ne pas blesser l'autre. Mais ça n'empêche que ça fait partie de mon histoire. Je travaillais dans un cabinet de conseil. J'étais très contente. J'avais un bureau, tout était nickel. Et dès que je suis partie passer l'entretien, ce monsieur, le bureau, il fallait voir, tout était ouf. Là, tu viens, tu dis, Fanta, c'est toi qui travailles, tu seras choquée. C'est-à-dire, je ne manquais absolument de rien. Donc, j'ai commencé le travail tout naturellement, quelques semaines. Et je vois en fait qu'il avait d'autres intentions derrière la tête. Ça, c'est une chose que je suis un peu hésitante à le dire parce que je n'ai pas voulu l'afficher, ce n'est pas mon but. Mais je pense que c'est important de le dire également parce que ça pourrait inspirer d'autres personnes. De toute façon, son nom ne sera pas dit. Et j'ai vu qu'il avait d'autres idées derrière la tête. Et c'était vraiment dans le cadre de la drague. Il voulait sortir avec moi. Il me l'a montré par A plus B. J'ai les preuves, hein. Je ne suis pas en train de raconter des conneries. Et finalement, j'en ai eu marre. Ça me faisait de la peine parce que j'avais besoin de ce travail. Je n'avais rien d'autre à faire. Le business, parfois, ça marche. Parfois, ça ne marchait pas. Et je me suis dit, mais si je lâche ça, qu'est-ce que je vais faire? Et jusqu'à ce que je reçoive
disons, une goutte de trop. Mmh. Et là, j'ai démissionné. D'accord. C'était pas facile parce que on démissionne quand on sait qu'on sait ce qu'on peut faire plus tard. Mmh. On démissionne quand on sait sur qui on pourrait compter. Mais j'ai lâché le torchon sans savoir quoi faire, ni ce que je vais faire. Pourtant, j'avais des projets. Je venais juste d'acheter un terrain. Il fallait le terminer. Sinon, pour pas que les gens volent les terrains, machin. Oui. Et c'est compliqué. Je me dis, mais qui va me soutenir? Qu'est-ce que je vais faire? Et malgré ça, je me dis, c'est vrai que c'est inconsolable. Mais je ne peux pas continuer dans ces conditions. Autant lâcher le job. Mmh. Depuis que j'ai arrêté ce travail, je n'ai plus travaillé pour qui que ce soit. Ok. Mais c'était dur. Bah oui. Et comment tu vis ce moment-là? C'est-à-dire, tu commences par quoi? Ok, tu as lâché ton job. Qu'est-ce que tu fais? Tu lances quoi? Comment ça se passe dans ta tête? Tu gères le stress? Comment tu gères tout ça? Je n'étais pas très stressée au niveau de l'argent parce que je savais que j'allais trouver un moyen de faire de l'argent. D'accord. Moi, je suis... je renais de mes cendres à chaque fois. C'est-à-dire, Phoenix. Exactement. Et je suis... puis, je suis habituée avec les affaires depuis 18 ans. Je me suis dit, bon, j'ai l'habitude. Il suffit tout simplement de retourner à Aubervilliers, d'aller chercher des draps ou des chaussures, de revendre, de faire de l'argent. Et c'est fait. Exactement. Et je suis très simple dans ce... Je ne me complique pas. Mm. Ça ne marche pas. Mm. Tes conditions de travail ne me vont pas. Même si tu me payes 10 000 euros à la fin du mois, je suis capable de te laisser aller faire un petit job ou une entreprise où je ne gagne strictement que 200 euros en fait à la fin du mois. Mais au moins, j'ai ma paix du cœur, j'ai ma dignité. Yes. Je reste fidèle à moi-même. Mm. Parfois, on trouve que je suis assez carré et dur dans la tête, mais je pense que ça contribue à être qui je suis aujourd'hui. Ok. Et je sais qu'aujourd'hui, tu as rencontré pas mal de personnes très influentes sur le continent et pas que. Et de toutes ces personnes que tu as rencontrées, Stanislas Zézé et bien d'autres, quel est celui qui t'a le plus marqué ou celle qui t'a la plus marqué? Il faut savoir que toutes ces personnes, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes parce que j'apprends constamment auprès de ces personnes. Mais la politique. J'aime bien. La politique encore. La politique, j'aime bien. Cette phrase, lâchez-moi finalement avec cette histoire. Non, mais j'apprends constamment auprès de ces personnes parce que c'est des personnes qui sont dotées d'expérience, de savoir-faire et j'en apprends. Sur Stanislas Zézé, il m'apprend, il me conseille énormément au-delà même en fait du business. Et au-delà de tout, mes plus grandes inspirations ne sont même pas connues. C'est le moment. C'est mes parents. Oh, ouais. C'est beau ça. Mon père, pour moi, c'est mon héros. C'est mon héros. C'est celui qui, auprès de qui je m'inspire tous les jours. Je n'ai pas eu la chance de voir mon père. Enfin, je l'ai vu, bien évidemment, jusqu'à mes 12 ans. Mais il est parti très tôt. J'ai encore énormément de souvenirs avec lui. C'est comme s'il savait qu'il allait partir très tôt. Du coup, le peu de temps qu'il a passé avec nous, il nous a donné énormément, que ce soit en thème d'amour, en thème de conseil, en thème d'éducation, de valeurs et de principes. Je m'en rappelle tous les jours. Est-ce que tu sais que c'est le jour où mon père est décédé qu'on a su qu'il faisait parfois des dons de chaussures, de vêtements à des inconnus au coin de la rue? Parce qu'ils sont venus à la maison en train de pleurer. Docteur Condé, je le connaissais, il m'a offert ci, il m'a donné ça. Il était médecin, il m'a soigné, il m'a fait des opérations, j'ai rien payé, c'est lui qui payait. Mais c'est là qu'on voyait tout un tas de personnes revenir chez nous. Et tu vois cette générosité. Oui. C'est une des choses qui me conduit aujourd'hui à faire ce que je fais. Elle a été extrêmement généreux, mais surtout dans la plus grande discrétion. Aujourd'hui, beaucoup de gens font du bien, mais ils en parlent, ils montrent. Mon père était de ceux qui font, il ne veut même pas que tu crées son nom. Ça m'inspire constamment de lui. Ma mère également, c'est une femme très généreuse, qui a du caractère. Mon père aussi, c'est un vrai leader, c'est-à-dire que très charismatique. Souvent, quand les gens me demandent comment je fais pour cultiver le charisme, parfois, je me demande si ce n'est pas de lui que j'ai hérité de ce côté. Il était énormément charismatique. Il parlait très peu. Il disait tout dans le regard. Tout le monde obéissait à ce qu'il disait, mais il parlait très peu. Mais c'est un vrai leader, tant dans son travail, mais aussi dans sa famille. D'accord, superbe. Hommage à sa femme, bel hommage à son père. Ouais. Et c'est très bien que ton père t'inspire. Malheureusement, on ne l'a pas connu. Bon, de ceux que nous, on connaît là, s'il fallait prendre un qui t'a le plus marqué, ou une, ça serait qui? C'est difficile de choisir une seule personne. Parce que je suis de ceux qui s'inspirent de la nature, un peu de tout le monde, mais je ne vais pas dire son nom. Ok. Si je devine, j'ai le droit de dire. Oui, oui. Ok, allons-y. Qui? Non, il faut d'abord que tu parles de lui, je ne peux pas... Ah, d'accord. Ouais, voilà. Non, c'est une femme. Ok. C'est une... Enfin, il y a beaucoup d'hommes qui m'inspirent, oui. Notamment des hommes de politique. Mais pas parce qu'ils font... Je ne suis pas inspirée par la voie de la politique. Pas c'est parce le que caractère, je c'est... Exact, pas okay. parce que je m'intéresse à la politique, mais par la résistance, la bravoure, le courage et surtout l'envie de porter les autres, en fait. C'est ça qui m'inspire beaucoup. Okay. Et dans ce lot, il y a une femme qui se démarque beaucoup. Ouais. Et donc, c'est quoi qui fait en sorte qu'elle se démarque? C'est ses traits de caractère. C'est
c'est son éloquence. Ah, ok, l'éloquence. C'est son éloquence, c'est son charisme, c'est aussi son sens d'empathie. Elle a énormément d'empathie pour les autres. Mm. C'est une femme qui... je suis très émotive. Oui, parce que cette femme, elle m'inspire pas parce que j'ai voulu qu'elle m'inspire. Elle m'inspire parce que dès quand j'étais jeune, quand elle sortait à la télé, mon père m'appelait à chaque fois pour regarder la télé avec elle. Mm. Elle dit, regarde cette femme, elle parle bien, mm, tout le temps. Ouais. Je ne savais pas que ça allait m'amener à parler un jour. Mm. Jusqu'ici, je ne sais pas si mon père avait compris que j'allais parler un jour. Je ne vois pas le lien. Pourquoi il m'appelait à chaque fois de regarder cette femme à la télé. C'est une femme noire africaine. Mm-hmm. Et voilà. D'accord. Ok. Très mystérieuse. Je ne sais pas si c'est propre aux Guinéens. Je ne sais pas. Pas du tout. C'est parce que Karamo aussi, c'est très mystérieux. Bon, quand on est tous les deux, il dit beaucoup de choses. Il se livre un peu plus. Mais dès qu'on est devant une caméra, il est beaucoup plus... Le vrai pouvoir réside dans le mystère. Une fois le mystère révélé, la magie s'envole. Absolument. Ok. Il y a l'autre volet de tout ce que tu fais qui m'intéresse, c'est que tu l'as dit, tu as été Miss. Mannequin, autant pour moi. Et en tant que mannequin, c'est un secteur qu'on ne connaît pas beaucoup, tu mmh, vois. Mmh. Est-ce qu'on fait vraiment de l'argent dans ce secteur-là? La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles-de-Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la 3e édition du Week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Kopili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.